Il lui avait rendu un vibrant hommage à la télévision le lendemain de sa mort et n'avait pas pu retenir ses larmes. Michel Drucker, dans une interview accordée au quotidien Le Parisien, en kiosque ce jeudi 5 juillet, est revenu sur son amitié, longue de plusieurs dizaines d'années, avec Johnny Hallyday. Sur le prime hommage rendu au rocker, et ses larmes, l'animateur confie, on m'en parle tous les jours. Mais je ne dirai pas plus. Puis explique, mon Johnny à moi, si est-il le Johnny de Que je t'aime, pas celui de Dallas. On s'envoyait des petits mots avant sa mort. Il m'avait aussi dit un jour en plaisantant, alors qu'il avait déjà un grave problème au poumon, tu me feras ma nécro, hein? J'ai fait sa nécro. Et à la fin, je voulais ajouter nous nous reverrons un jour ou l'autre. Embrasse Coluche et Gainsbourg pour moi, mais ce n'est pas sorti. J'étais anéanti. Tout le monde pleurait. J'ai reçu des messages d'Anne Sinclair et François Hollande qui me disaient la même chose. Depuis, je ne parle plus. Après la Madeleine, je n'ai vu personne de l'entourage de Johnny. Concernant la guerre autour de l'héritage et de l'interprète de Marie, Michel Drucker affirme, je ne sais pas où passera l'héritage, mais vu l'armée d'avocats, il n'est pas perdu pour tout le monde. Je me suis dit que je me donnais en spectacle invité sur BFM Télévision, en décembre dernier, quelques jours après son hommage à Johnny Hallyday, Michel Drucker revenait sur cette séquence très émouvante. Plus l'émission avançait, plus je me rapprochais d'une séquence que je redoutais beaucoup qui est la lettre en images que Laetitia avait écrite pour Johnny lors de leur dernier grand show. En écoutant ça, j'ai décroché de l'écran pendant 2 minutes et là, il y a plein d'images qui sont revenues. C'était la fin de l'émission, c'était la fin d'une époque. Point, je me suis demandé comment j'allais terminer cette émission. Je me suis dit que je me donnais en spectacle en écrasant quelques larmes mais je n'ai pas pu me retenir.